À l'extrémité ouest de la France, la Bretagne occupe une péninsule qui marque aussi la limite occidentale de l'Europe. Le nord de la Bretagne est une terre ultime, qui finit à la jonction de l'océan Atlantique et de la Manche. Au fil des côtes bretonnes, la terre répond à la mer de multiples manières. Tantôt, elle aligne des kilomètres de plage, tantôt, elle se dresse à la verticale de l'eau, en lui opposant des roches hostiles. Les roches du littoral breton comptent parmi les plus anciennes et les plus dures de la planète. Elles ont pourtant cédé en de nombreux endroits. Elles ont donné naissance à des îles et elles ont aussi ouvert des golfs. L'eau est une composante permanente du paysage au nord de la Bretagne. Les cours d'eau n'y rencontrent aucun obstacle. Ils tracent des limites dans un relief presque inexistant. Longtemps, ils ont été les seules frontières sur une terre qui conduit systématiquement à la mer. Le nord de la Bretagne est peuplé depuis des millénaires. Les célèbres menhirs en témoignent, tout droit sortis de la préhistoire. Différentes civilisations ont laissé des empreintes durables dans le patrimoine breton. Un patrimoine original, où la mer apparaît constamment au premier plan. La mer devint une source de richesses qui suscitèrent les vocations de redoutables pirates. Depuis l'usage de la voile, les bateaux et les pêcheurs bretons ont jeté les bases d'une culture vivante et d'une économie dynamique. Entièrement tournés vers la mer, les Bretons ont dû mettre leurs biens à l'abri des convoitises, mais sans jamais se replier sur eux-mêmes. Le chant et la musique donnent à la Bretagne une identité particulièrement forte. Tout en étant réceptifs aux influences extérieures, les Bretons entretiennent des traditions populaires très vivaces. De génération en génération, les rythmes et les sons se perpétuent dans un mouvement d'ensemble où la religion catholique est souvent présente. Les multiples ressources de la mer et certaines spécialités culinaires sont devenues des références du savoir-faire breton. Les couleurs locales peuvent paraître uniformes, mais elles sont en réalité très variées. Différents types de roches, comme le grès et le schiste, ont servi de matériaux à de modestes maisons comme à de somptueuses demeures. Mais quand la pierre était trop chère, les immeubles se contentaient d'une structure en bois, souple et solide. Les villes d'aujourd'hui ont conservé les mêmes couleurs dominantes. Les lignes se sont épurées, mais les matériaux sont identiques à ceux des calvaires du Moyen Âge. Comme dans un livre, la foi médiévale se raconte en images. La foi peut aussi prendre des formes beaucoup plus élaborées dans les trésors du patrimoine religieux. Sans la roche, la Bretagne n'existerait pas. Elle lui donne ses contours et sa personnalité. Elle nourrit aussi l'inspiration des artistes. Les idées et les époques ont changé. Les matières premières et les méthodes de création se sont renouvelées. Mais l'âme bretonne a traversé le temps. Le réseau routier met la Bretagne en contact rapide avec le reste du pays. L'absence de relief facilite les communications par la route et les nombreux ouvrages d'art permettent d'éviter le contournement des vallées. Les infrastructures portuaires et routières sont une des clés de la réussite bretonne. La région ne compte pas moins de 13 ports de commerce. Les ressources naturelles ne manquent pas. À commencer par le granit, une roche très dure exploitée depuis des milliers d'années. L'énergie éolienne est incontournable. Elle couvre plus de la moitié de la consommation d'électricité bretonne. En Bretagne, une grande part de l'activité industrielle repose sur le secteur de l'agroalimentaire. Un secteur essentiel, puisque le tiers des entreprises et le tiers des emplois industriels se trouvent dans ce secteur. Pour la production agricole, la Bretagne est la première région de France. Plusieurs spécialités ont fait sa réputation, comme la pomme de terre,
dont la culture remonte au XVIIe siècle. On mange le bourgeon de l'artichaut, une espèce de chardon comestible aussi célèbre en Bretagne que le chou-fleur. 75% des chou-fleurs français viennent d'ici. La Bretagne est la première région française pour les productions animales. Les sols sont favorables au fourrage et le climat convient parfaitement à l'élevage. Les poils de certains animaux servent à la fabrication de pinceaux artisanaux qui ont acquis une réputation internationale. Le caramel forme une association remarquée avec le beurre. Un beurre qui, depuis toujours, est salé en Bretagne. Le caramel beurre salé est devenu un fleuron de la cuisine locale. Souvent dessiné dans des décors magnifiques, une quarantaine de parcours font le bonheur des adeptes du golf. La voile et ses activités dérivées ont bien entendu beaucoup de succès en Bretagne. Apprécié côté terre et côté mer, le littoral comporte encore de longues portions sauvages. Les Bretons ont accumulé ici un trésor de traditions. À l'est de la Bretagne, l'Ille-et-Vilaine est l'un des quatre départements de la région. Le fleuve Vilaine et l'Ille, son affluent, sont à l'origine du nom. Au confluent des deux cours d'eau apparaît la ville de Rennes, chef-lieu du département. Rennes est la plus peuplée des villes bretonnes, avec plus de 200 000 habitants. Elle est aussi une des capitales historiques de la Bretagne. Elle s'est développée dans la vallée de la Vilaine, sur des terrains jadis marécageux. Par l'une des portes médiévales, on accède à la vieille ville située sur un promontoire. Les maisons à pans de bois sont typiques du Moyen Âge. Mais grâce à l'abondance du bois dans la région, cette technique de construction s'est perpétuée bien après l'époque médiévale. Malheureusement, un millier de maisons semblables ont été détruites lors d'un incendie au début du XVIIIe siècle. Celles qui subsistent témoignent du raffinement des propriétaires. Comme la pierre taillée était chère, seul le rez-de-chaussée était construit en dur. Le faible coût des maisons à pans de bois était au Moyen Âge leur principal atout. Mais les incendies faisaient souvent des ravages. Épargnée par les incendies, la cathédrale fut pourtant détruite et reconstruite. Les travaux ont duré pendant près d'un siècle. Tout autour de la place des Lys se tient un fameux marché dont les origines remontent à la fin du Moyen Âge. Les étals attirent la foule un jour par semaine. C'est un marché extraordinaire qui est considéré comme le second marché de France parce qu'on y a 300 producteurs locaux qui viennent tous les samedis vendre leurs produits frais. Toute la production est du jardin, donc c'est pour ça qu'on fait le produit de saison. Quand on prend les tomates actuellement, on est les seuls sur le bassin rennais à avoir une tomate qui pousse en terre. C'est en serre, mais en terre. C'est produit hors sol, comme tout ce qu'on voit. Hein. Donc c'est fumier de cheval et on plante. Et ça, on y tient et c'est très, très important. Ça fait partie de l'ADN rennais, ce marché des Lys. D'abord, il est sur un lieu patrimonial assez extraordinaire. Vous avez les hôtels particuliers à pans de bois construits pour les parlementaires, mais aussi les deux pavillons des Halles. C'est une architecture métallique réalisée à la manière de Baltar, à la manière des Halles parisiennes au 19e, et qui sont marquantes et qui sont protégées au titre du patrimoine ici. Parmi les produits frais, les produits de la mer occupent une place privilégiée. Certains se font particulièrement remarquer, comme l'araignée de mer. Alors, est-ce qu'il fallait autre chose ? Le terrible incendie de 1720 a détruit près de la moitié de la ville. Les dégâts furent considérables car l'habitat était très dense. Après la catastrophe, la ville s'est petit à petit reconstruite en faisant appel à des styles très éclectiques. L'hôtel de Blossac, par exemple, est un pur chef-d'œuvre de l'architecture classique. Heureusement, tout n'a pas brûlé. Le Parlement de Bretagne fut sauvé. Mais un autre incendie
ravagera sa toiture en 1994. Véritable poumon de la ville, le parc du Tabor réunit plusieurs jardins, et notamment un jardin symétrique à la française. En forme de pagode chinoise, une volière abrite de nombreux oiseaux, et notamment des espèces exotiques. Un jardin à l'anglaise alterne les espèces taillées et les grandes étendues bordées d'arbres. Le jardin à l'anglaise imite toujours la nature spontanée. La ville fait la jonction entre les différentes époques. Dans une œuvre récente, des colonnes de granit rappellent les alignements de menhirs. Elles prennent position devant le bâtiment du Fonds régional d'art contemporain. L'architecte français Christian de Porzamparc exploite la pierre brute pour ouvrir les grands volumes des Champs libres. Un vaste complexe culturel qui rassemble un musée, un planétarium et une bibliothèque. La ville de Rennes possède un métro ultramoderne et un réseau très ramifié de transports en commun. Et le vélo est de plus en plus en vedette. À proximité de la ville, le campus de Beaulieu a vu le jour dans les années 1960. Différentes disciplines sont enseignées sur un site très inspiré des campus universitaires californiens. À l'ouest de Rennes s'étend la plus grande forêt de Bretagne, la forêt de Pimpon, un espace forestier longtemps surexploité. La présence humaine dans cette forêt est très ancienne. Certains éléments de l'abbaye de Pimpon remontent au 7e siècle. À travers la région, les références à l'histoire sont multiples. Les références à la littérature et aux légendes sont tout aussi nombreuses dans un environnement où la réalité et les mythes se confondent. Des personnages de romans comme Merlin l'Enchanteur règnent depuis le Moyen-Âge sur un monde magique. Ils peuplent une forêt imaginaire, la forêt de Brocéliande. Le robuste château de Trécesson baigne lui aussi au milieu des légendes. Pour résister aux envahisseurs germaniques, c'est un seigneur breton qui aurait organisé la défense, le fameux roi Arthur. Il y a plusieurs mythes et légendes dans la forêt de Brocéliande. On a les histoires locales qui sont sur la forêt de Brocéliande elle-même, mais on a surtout la légende arthurienne. Alors là, la légende arthurienne, il faut remonter au 9e siècle pour commencer à avoir certaines choses, mais c'était une tradition orale à l'époque. Donc ça s'est transmis de bouche à oreille et on doit attendre le 12e siècle avec un certain, par exemple, Chrétien de Troyes, pour avoir les premiers écrits médiévaux de la légende arthurienne. Dans la forêt de Pimpon, on rencontre des témoins vivants d'un lointain passé. Le chêne à guillotin est un des plus connus. Le tronc est creux. L'arbre aurait 1000 ans et aurait abrité l'abbé Guillotin poursuivi par les révolutionnaires. Le vieux chêne impose le respect. Sans modeste. Moi, je repense à toute cette histoire qu'il a vu passer devant lui. La Révolution, les empires, et puis c'est un chêne breton en plus, donc il a quand même des origines celtes. Pendant le Festnoz, la fête de nuit, on célèbre les traditions bretonnes en dansant et en chantant. De violette, oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin, oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin. À la limite entre les Côtes d'Armor et le Morbihan, le paysage a été bouleversé par l'homme. Le lac artificiel de Guerlédan est le plus grand lac de Bretagne.
Il doit son existence à un barrage et à un petit canal qui relie Nantes et Brest. Le canal fut creusé par des forçats qui logeaient dans l'abbaye Notre-Dame de Bon Repos. La noble abbaye cistercienne fut créée au XIIe siècle, avant de connaître un long déclin. Elle fut pillée et resta longtemps à l'abandon, avant d'être en partie réhabilitée. Au XVIe siècle, la Vilaine fut la première rivière canalisée de France. Elle y a gagné un cours très paisible que rien ne vient perturber aujourd'hui. La localité de Brun-sur-Vilaine célèbre avec faste l'un de ses plus illustres habitants de l'époque mérovingienne. Saint Mélaine est né au 5e siècle et est un authentique enfant du pays. Il fut évêque de Rennes et ses reliques sont transportées dans les rues de la localité à l'occasion d'un pardon, une forme de pèlerinage à la bretonne. Plusieurs miracles sont attribués à Saint Mélaine qui parcourait la campagne pour diffuser sa foi. Mais Saint Mélaine n'est pas qu'un homme d'église. Il eut aussi un rôle politique important auprès de Clovis en personne, le roi des Francs. Saint Mélaine fut inhumé sur une colline appelée Champ du Repos. Dans son village, il avait rassemblé ses premiers disciples. Il avait même construit une église de ses propres mains. Une abbaye lui succédera. Le culte rendu par la population à Saint Mélaine est très profond. Quatre baptêmes qui vont être vécus au cours de cette messe. Le site mégalithique de Saint-Just remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ. Un site parmi les plus importants d'Europe par le nombre et la diversité des pierres levées que l'on y trouve. Au départ, l'ensemble des menhirs était tombé par terre. Et pendant la fouille, donc les archéologues ont retrouvé les trous où étaient fichés ces menhirs. Et à partir de là, donc, ils ont pu donc, reconstituer tout cet ensemble de cet alignement. Là, il y a eu des hommes, des personnes qui ont été enterrées. Donc c'est quand même un lieu de sépulture. Et aussi, savoir que des hommes ont déplacé ces gros blocs pour faire un monument, c'est quelque chose de déceptionnel parce qu'on a du mal à imaginer comment elle est transportée. L'idée de réaliser le canal de Nantes à Brest remonte au XVIe siècle, lorsque le duché de Bretagne et le royaume de France furent réunis. Les communications par la route étaient mauvaises. Il faudra pourtant attendre 3 siècles et le blocus britannique pour que les travaux du canal soient lancés par Napoléon. Au bord de l'Oust, la localité de Josselin se blottit au pied d'un impressionnant château. La bourgade porte le nom d'un des premiers membres d'une puissante famille princière de Bretagne qui sera très impliquée dans l'histoire de France. Au tout début du XIe siècle, un château domine déjà la vallée. L'édifice actuel appartient à la famille de Rohan. À la fois imposant et élégant, il possède une remarquable façade de pur style gothique flamboyant. La fonction du bâtiment a évolué. D'abord, au départ, le château avait exclusivement une fonction militaire. C'était une forteresse. Elle a été d'ailleurs construite sur le modèle du château royal de Vincennes. Et elle était l'une des plus puissantes forteresses de Bretagne et elle a été aussi une des plus puissantes forteresses de France. Mais au début du XVIe siècle, le vicomte Jean II de Rohan, qui était l'oncle de la reine Anne de Bretagne, a fait plaquer sur cette vieille forteresse un logis qu'il a fait ornementer avec beaucoup de soin et de goût. Vous pouvez constater que cette façade, qui est à la fois un exemple du gothique flamboyant et un témoignage de la Renaissance bretonne, est d'une richesse et d'une luxuriance exceptionnelles.
La longue et ancienne tradition agricole a profondément influencé la culture bretonne. Le mode de vie rural a façonné le paysage, mais il a aussi modelé les comportements. Ainsi, les danses collectives ont longtemps servi à souder la communauté. La danse est un facteur de cohésion sociale. Ce sont des danses de Bretagne et les gens se retrouvent pour faire de la danse en rond. Quoi. C'est pas comme en boîte de nuit où chacun danse dans son coin. C'est tout le monde se tient les bras et c'est parti pour une danse. Les danses collectives étaient recommandées par l'Église catholique, qui interdisait les danses en couple. Le canal d'Île-et-Rance fut aussi aménagé par Napoléon suite au blocus maritime de l'Angleterre. L'idée très ancienne était de relier les villes de Rennes et de Saint-Malo. À mi-chemin entre les deux localités se dresse le château de Combourg. Le château fut vendu au XVIIIe siècle à un marin enrichi. La famille aristocratique qui l'avait possédé jusque-là était en effet ruinée. Un des enfants du nouveau propriétaire allait devenir célèbre, François-René de Châteaubriant. Le Finistère est le département le plus à l'ouest de la Bretagne. La côte occidentale est baignée par l'Atlantique le long d'un littoral très échancré. Face à l'océan, la pointe du vent jette sa roche friable devant les vagues. Depuis le XVIIe siècle, au bord de la Lande, entre la pointe du vent et la baie des Trépassés, se hisse une chapelle. Sa cloche devait prévenir les bateaux qu'ils approchaient une côte inhospitalière. La côte sait pourtant se faire accueillante, à l'abri de la baie de Douarnenez. La ville a établi sa prospérité grâce à la pêche. Mais aujourd'hui, la navigation de plaisance a largement pris le relais. Douarnenez possède 3 ports, adaptés aux différents types de bateaux et à leurs activités. C'est la toile à voile qui a fait la fortune de Locronan. La localité a connu une fantastique réussite économique dès le XIVe siècle, grâce au savoir-faire des tisserands. Les maisons des marchands de toile constituent un patrimoine exceptionnel. L'église Saint-Ronan fut bâtie au XVe siècle. Le pompeux édifice raconte l'essor, l'apogée et le déclin brutal de la toile à voile à Locronan. L'activité commença à décliner avec l'invention du métier à tisser mécanique. Le massif armoricain est le socle de la Bretagne. Il a subi une longue érosion, mais il subsiste des sommets où le vent favorise les acrobaties des avions télécommandés. Au pied de la colline s'étire la presqu'île de Crozon, qui enfonce la pointe du Toulinguet dans la mer d'Iroise. La presqu'île de Crozon est devenue la 8e réserve naturelle régionale de Bretagne. Elle regroupe plusieurs sites entre terre et mer.
Ce sont pour la plupart des falaises, aux roches et minéraux hors du commun. Toute l'histoire géologique de la Bretagne se livre ici, à ciel ouvert. Le monument aux Bretons de la France libre a été érigé sur la pointe de Penhir. Dans la baie de Douarnenez, les falaises ont laissé la place à une anse tranquille où se niche le port de Morgat. Plus au nord, à Camaret-sur-Mer, dans la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour, les ex-voto de marins sont suspendus sous la voûte, qui a la forme d'une coque de bateau inversée. Depuis le XVIIe siècle, la tour Vauban veille à l'entrée du port. Sous-préfecture du Finistère, la ville de Brest est la deuxième agglomération bretonne. En raison de sa situation excentrée, un dicton affirme « On ne passe jamais par Brest, il faut avoir une raison d'y aller ». Il est vrai que les raisons d'y aller ne manquent pas. Les activités portuaires sont le principal atout économique de la ville. Brest est le deuxième port militaire de France, après Toulon. La tour Tanguy et le château fort de Brest ont été construits au Moyen Âge. Leur présence dissuasive était nécessaire pour protéger la vaste rade où des flottes importantes peuvent trouver un abri naturel. Depuis des siècles, les bateaux du monde entier viennent jeter des amarres en Bretagne. Le mouillage de Brest accueille des bateaux militaires et civils. Les marins de tous bords s'y croisent dans une animation permanente. De nombreux navires-écoles fréquentent le port de Brest, comme le Sedov, le plus grand voilier navire-école du monde. Le quatre-mâts appartient à la flotte russe. Les chants des marins venus des quatre coins du globe se ressemblent. La mer est leur source d'inspiration. À l'occasion de la fête des tonnerres de Brest, les bateaux traditionnels viennent de partout. Un événement qui se reproduit tous les 4 ans. L'entrée dans la rade de Brest était étroitement surveillée. Sur un îlot relié au continent par une passerelle, le fort de Berthaume a été construit par Vauban au XVIIe siècle. Le retour sur le continent peut aussi se faire par un câble. Avant la construction de la passerelle, on accédait à l'îlot de cette façon. Sensation garantie. Sur la pointe Saint-Mathieu, plusieurs édifices partagent le site de manière surprenante. La chapelle compose un curieux ensemble, avec des voisins qui ne passent pas inaperçus. Un phare et un sémaphore encadrent les ruines d'une abbaye médiévale.
le temps ne s'arrête jamais en Bretagne. Les côtes bretonnes ont toujours été en première ligne face à la menace des envahisseurs. Résultat, les ouvrages défensifs se succèdent le long du littoral. C'est encore Vauban, le fameux ingénieur architecte de Louis XIV, qui a conçu le château du Taureau au XVIIe siècle. Il remplaçait un édifice plus ancien complètement dépassé. Les murs devaient en effet résister aux canons ennemis, mais aussi aux assauts de la mer. Les parties réservées au logement de la garnison sont bien protégées. Le château du Taureau fut en réalité élevé pour effacer un très mauvais souvenir. Le château sur lequel on se trouve a été construit pour défendre la ville de Morlaix, qui avait été attaquée par nos amis les Anglais en 1522. Il y a à peu près 60 bateaux qui ont descendu toute la rivière ici, et ils sont déguisés en marchands pour attaquer la ville. Avec sa manufacture de tabac, l'une des plus anciennes de France, la ville de Morlaix est installée dans une vallée encaissée dont les pentes sont très fortes. Pour relier les deux versants, on a construit un viaduc. Il fut la cible de bombardements intensifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à la protection dont elle bénéficie, la ville de Morlaix prospère rapidement. Les riches marchands se font construire des maisons à pans de bois, d'un modèle particulier, la maison à pont d'allée. Pour atteindre les étages, on emprunte un escalier en colimaçon et une sorte de pont donne vers l'arrière, le pont d'allée. Quelques maisons de Morlaix possèdent toujours ce type d'aménagement. Au sud de Morlaix, plusieurs églises sont ornées d'un enclos paroissial. Un mur entoure des monuments et des sculptures. Comme à Saint-Égonnec, chaque village rivalisait pour avoir le plus bel ensemble. L'enclos paroissial, tout autour de l'église, devait servir à l'instruction religieuse des fidèles. Il est devenu un signe extérieur de richesse. Sur la côte de granit rose, la roche prend une couleur qu'elle doit à la présence d'oxyde de fer. La roche extrêmement dure résiste à l'érosion, tout en adoptant des formes arrondies. Les côtes de granit rose sont très rares dans le monde. Plougrescan est la commune la plus septentrionale de Bretagne. L'érosion peut inquiéter en accumulant près des maisons des entassements instables. Mais l'érosion peut aussi rassurer, comme ici, à Castelmeur, en façonnant une roche très protectrice. L'homme et l'environnement vivent ici dans une harmonie parfaite. L'un des départements au nord de la Bretagne s'appelait jadis Côte du Nord. Il est devenu Côte d'Armor, c'est-à-dire les côtes du pays de la mer. Aujourd'hui, principalement destiné aux bateaux de plaisance, le port de Paimpol est connu depuis des siècles pour la pêche. La pêche à la morue a fait la prospérité de la bourgade. Signe de richesse, la plupart des maisons utilisent la pierre comme matériau de construction. Les pêcheurs partaient pour plusieurs mois jeter leurs filets dans les eaux de Terre-Neuve, jusqu'au rivage du continent américain. Au nord de la pointe de l'Arc-Ouest s'éparpille l'archipel de Bréhat. Entre les îles et le continent, une vedette fait la jonction. À peine 10 minutes de navigation suffisent pour arriver à destination. L'île de Bréhat est l'île principale. En réalité, elle se compose de deux îles réunies entre elles, l'île Nord et l'île Sud. L'ensemble couvre à peine 3 km². Il n'est pas rare de rencontrer des plantes tropicales sur l'archipel. L'île Sud possède un climat très favorable à l'abri du vent et des embruns salés. Les murs et les haies augmentent encore les protections dont bénéficie largement la végétation.
Les reliefs sur l'île de Bréhat sont très symboliques. Le point le plus élevé de l'île est un monticule rocheux, le Crec Simon. Un crec est un coteau en breton. Il culmine ici, à 35 mètres d'altitude. L'apparence de l'archipel est totalement différente à marée haute et à marée basse. Le moulin à marée du Birlot utilise l'eau de mer depuis le XVIIe siècle. L'île Nord est beaucoup plus exposée au large. Les pins ou la lande ne s'y installent pas facilement. Le vent et les vagues dépouillent la roche. À Binic, le port de plaisance est seulement accessible à marée haute. Tous les ans, l'animation est grande fin mai, début juin, à l'occasion de la fête de la morue. Ce poisson a contribué largement à la réputation de la localité. Dans la baie de Saint-Brieuc, des dizaines de bateaux traditionnels se rassemblent pour rendre hommage au passé. Les marins font des adeptes en faisant découvrir leur mode de vie. Ils délaissent un temps la technologie, retrouvent leurs origines et partagent leur passion sur le port. Pendant ce temps, sur la terre ferme, la fête bat son plein pour les marins et pour les non-marins. Les héros de la fête restent les bateaux. Ces bateaux en bois, ce sont des bateaux du patrimoine qui restent chers à notre cœur. Et voilà, on préfère naviguer sur ces bateaux-là et les maintenir en vie parce que, en fait, c'est des bateaux très fragiles qui nécessitent beaucoup d'entretien et que si on ne les entretient pas, ils vont disparaître. Et des fêtes comme celle d'aujourd'hui, bah, il n'y en aura plus. La fête entretient les traditions pour toutes les générations. Important spot de parapente, la pointe du Roselier donne de la baie de Saint-Brieuc une vue saisissante. La plage de sable ne semble pas avoir de limite. En effet, quand la mer est à marée basse, les vagues se retirent à 7 km. Le port de Saint-Brieuc se glisse jusque dans la ville. Les maisons à colombages révèlent le train de vie et le goût de ceux qui les ont construites. Face à l'une des plus grandes baies de Bretagne, la plage de Plestin-les-Grèves est idéale pour la pratique du char à voile. La baie de Saint-Brieuc est fermée à l'est par le cap Fréhel. Le grès rose s'avance loin dans la mer. La roche dresse face à la mer des falaises couvertes d'une végétation aux couleurs douces, comme la bruyère.
Du haut des falaises, les phares guident les bateaux. Par grand vent, le passage est délicat entre la baie de Saint-Brieuc et la baie de Saint-Malo. Une réserve ornithologique a été créée autour du Cap Fréhel. De nombreux oiseaux marins viennent y trouver refuge. Au Cap Fréhel débute la côte d'Émeraude, qui se prolonge vers l'est. Le tracé de la côte est soudain interrompu par l'estuaire de la Rance, qui s'enfonce dans les terres sur plus de 20 km. En travers du fleuve a été installée une usine marémotrice qui fournit de l'électricité. Elle utilise l'énergie de la marée dans les deux sens, marée montante et marée descendante. Pour qu'une telle installation soit rentable, il faut une grande différence entre les niveaux d'eau à marée haute et à marée basse. Entre les deux rives, l'usine fait aussi office de pont routier. Entre les fleuves et la mer, le paysage agricole multiplie les parcelles géométriques. Il s'en dégage un équilibre établi depuis des siècles. La mer garde ses distances, mais elle est très présente, comme au Mont-Saint-Michel. Au plus lointain Moyen Âge, fut créé à Dol de Bretagne l'un des premiers évêchés de la région. Les traditions populaires y sont profondément ancrées et les fest-noz en font la démonstration. Entre la Normandie et la Bretagne Nord, la ville basse de Dinan suit le cours paisible de la Rance. Pour franchir la modeste rivière, il fallait traverser un pont qui donna vite à la localité une importance stratégique. Dès le Moyen Âge, Dinan se protégea au moyen de remparts qui furent modernisés et restaurés à différentes époques. Le site renforça encore ses défenses en plaçant ses habitants sous la protection d'un imposant donjon. La Bretagne, très convoitée, fut ici défendue par le redoutable Bertrand du Guesclin, un personnage historique originaire de Dinan. Malgré les importants dommages causés par la Deuxième Guerre mondiale, la ville a conservé un patrimoine de plusieurs dizaines de monuments historiques. Le long de la côte d'Émeraude semblent flotter les parcs à huîtres. Ce fameux mollusque est élevé pour compenser la diminution des huîtres sauvages. Plusieurs techniques sont utilisées pour produire des espèces différentes d'apparence et de goût. À Cancale, l'huître fait partie d'une tradition ancestrale. Au XVIe siècle, la ville était déjà un fournisseur du roi de France. Les générations de stréiculteurs se succèdent pour produire à Cancale des huîtres plates et des huîtres creuses. De toute évidence, elles sont délicieuses. Pour moi, c'est la première fois, je n'en ai jamais goûté. Elles sont très bonnes. Rien à dire. Toujours sur la côte Émeraude, sur la rive gauche de la Rance, la ville de Dinard a pris ses quartiers.
la localité est restée longtemps un petit port de pêche. Puis, des aristocrates fortunés ou de riches industriels américains et anglais ont lancé la station balnéaire au 19e siècle. Dinard est ainsi devenu chic et huppé. La ville a gardé le charme désuet des années glorieuses où les bains de mer étaient à la mode. L'embouchure de la Rance est surveillée depuis le XIVe siècle par la tour Solidor, un donjon composé en fait de trois tours. Les murs, dotés de meurtrières et de mâchicoulis, devaient faire réfléchir les assaillants. Sur la rive droite de la Rance, la ville de Saint-Malo est bien protégée également derrière ses remparts. La première enceinte de la ville existait déjà au XIIe siècle, mais la plus grande partie des remparts actuels a été réalisée par un collaborateur de Vauban au XVIIIe siècle. La ville a subi d'importants dégâts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle ne sera pas reconstruite à l'identique, mais elle restera contenue à l'intérieur du rempart. La découverte de l'Amérique et le commerce avec les Indes ont assuré le développement de Saint-Malo. Des marins légendaires sont originaires de la ville, comme les corsaires qui se mettent au service du roi de France et contribuent à la réputation de Saint-Malo. Derrière les remparts, les corsaires amassent des fortunes colossales. Ils investissent leurs revenus dans de magnifiques demeures. Olivier de la Rivière est le descendant d'un authentique corsaire malouin. Cette maison a été construite en 1725 pour un armateur de la ville. Et donc quand on était armateur il y a 300 ans, on était corsaire du roi. Ça veut dire qu'avec des bateaux, on allait faire la guerre pour le compte d'un conflit signé par le roi contre notre pays. Et donc c'était les privés, ces gens qui allaient faire la guerre avec des bateaux leur appartenant. Si vous êtes corsaire du roi, vous devez connaître les pays en guerre avec le vôtre à un moment donné. Et deuxièmement, vous devez les attaquer, et uniquement eux. Si jamais vous attaquez alors que vous n'avez pas l'autorisation du roi, une autorisation écrite, alors vous faites de la piraterie, vous serez pendu. Sur une partie de l'enceinte médiévale s'appuie le château de Saint-Malo. La forteresse abrite l'hôtel de ville. Elle fut construite par les ducs de Bretagne qui voulaient marquer leur pouvoir. Dans les bâtiments se trouve également le musée d'histoire de la ville et du pays malouin. Il retrace 500 ans de l'histoire maritime française. Au milieu des collections trône le portrait du célèbre corsaire Robert Surcouf, le navigateur intrépide devenu richissime. Tout ici rappelle la science de la mer, mais aussi la violence et l'âpreté d'un monde qu'il fallait conquérir pour ne pas mourir. La défense de Saint-Malo était soigneusement organisée. Sur le rocher de l'Islet, Louis XIV en personne a décidé la construction du fort national. Ce bastion a permis à la ville de ne jamais tomber entre les mains de marins ennemis. Avec leurs angles accentués, les murs étaient efficaces. Puis la ville de Saint-Malo s'est tournée vers l'extérieur. Et très largement, elle a ouvert ses portes. La Bretagne a écrit sa longue histoire en accord avec la mer. Elle a trouvé dans la mer une vraie nature. Elle en a fait sa culture. Dans le patrimoine breton se font aujourd'hui encore tout un trésor de traditions.